Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va partir dans un truc plus sombre. Je vais te demander siège social. Ouais, comme ça, ça envoie. On va partir dans un truc un peu plus sombre. Je veux juste préciser que c'est pas spécialement de l'incitation à la violence. C'est plus que... Il y a des gens qui ont des pulsions de violence. Et je voulais juste les guider. Leur dire, on n'est pas obligé de se faire péter la tête ou... Je sais pas. Et le morceau fait comme ça. Quand tu fais une bêtise, pense à son efficacité. Marketing, lavage de cerveau, publicité. T'es dans ses guises, mais tu ne sais pas comment lutter. Un siège social de multinationales fait péter. J'ai une question qui va peut-être te paraître directe. Mais que fais-tu avec le doigt posé sur cette gâchette? Tu veux appuyer? Te faire péter la tête? Qu'on ne t'oublie pas, laisser une trace de toi sur la moquette. Mais arrête, souffle, réfléchis. T'as rien fait de mal toi, pourquoi serais-tu puni? Pour libérer un taf au prix d'une vie, j'y avais pas pensé. Merci France Télécom, merci. Fais son pire. Fais sauter. Travaille. Suicide. Travaille. Suicide. Drôle de choix, non? Quand tu fais une bêtise, pense à son efficacité. Marketing, lavage de cerveau, publicité. T'es dans ses guises, mais tu ne sais pas comment lutter. Un siège social de multinationales fait péter. Fais péter la maison, mère, mais sois distrait quand même si de la vie t'es amer, car ton taf te pose des blèmes. Et si ton usine ferme, pense à tes gosses pour une fois, sois féroce. Kidnappe ton boss, on bouffe de la merde, cultivé par des paysans qui ne touchent rien. Ne parlons pas des enfants qui fabriquent nos choses, mais non pas de flouze, c'est eux qu'on consomme. Si ça c'est pas la loose, vas-y boycott. Si ça peut t'amuser, mais ce n'est que la plante de tes pieds que tu vas user. Moi j'ai une meilleure idée, chut, faut pas la répéter, c'est plus radical. Faut faire péter le siège social. Fais sauter le siège social. Merci beaucoup. Merci.